pour le deuxième jour de stage avec Florian Angot. Donc j'ai eu un petit souci lors de la préparation de la jument, tout simplement parce que j'avais oublié les clés de la sellerie du vent chez moi, et je suis partie donc la sellerie fermée mais sans les clés. Du coup une copine m'a gentiment prêté ses affaires, mais par contre j'avais pas le même or que d'habitude, j'avais un releveur double brisure sans alliance, mais étonnamment le mort lui a très très bien convenu. Donc voilà. On a commencé donc le stage donc par une longe comme la veille et ensuite la détente aux trois allures. Donc elle était plutôt pas mal dans ses trois allures, même si parfois j'avais des actions de main un peu gênantes pour elle, un petit peu trop fort, étant donné que c'était pas le même mort que d'habitude, mais du coup j'ai adapté ma main assez vite par rapport au mort. Premier saut plutôt pas mal, donc comme la veille on a cherché à la rapprocher au maximum des barres pour qu'elle retape une vraie foulée avant, donc à la resserrer à la bord 4-5 foulées avant pour qu'elle ait le temps de remettre une foulée pour que ce soit confortable pour elle et pour qu'elle ne parte pas sur une longue. Le double de croix, donc là je suis restée un petit peu en retrait tout simplement parce qu'elle a retapé un petit temps d'arrêt avant la deuxième croix, du coup on n'a pas trop su ce qu'elle faisait, du coup j'étais un petit peu en retard. Elle saute plutôt pas mal du tout fin de détente, elle est beaucoup plus à l'écoute que la veille, elle est plus concentrée dans le boulot, elle prend de bien meilleures places, j'arrive à la rapprocher à chaque fois, donc je suis vraiment contente. Début d'enchaînement ici qui était vraiment très bien, par contre elle s'arrête à cause de moi tout simplement parce que j'ai un peu abandonné dans la courbe et qu'en fait la foulée n'était pas parfaite, donc on revient dans le calme sans la brusquer, on refait, ça passe très bien et on continue l'enchaînement. Donc premier petit enchaînement qu'elle a très bien fait, donc elle s'arrête une fois à cause de moi, mais bon c'est pas grave, c'est ma faute, on caresse.
Ensuite, on va retravailler l'enchaînement complet cette fois-ci. Donc, elle fait quelques petites barres sur le parcours, tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauté. Elle se néglige un petit peu. Voilà, c'est pas des très grosses fautes en soi, c'est pour elle. Après, voilà. En soi, le principal, c'est qu'elle saute dans la décontraction, qu'elle a un bon galop et de l'équilibre. Après, c'est à elle de se gérer toute seule. Sur ses sauts, on voit qu'elle passe bien le dos, donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit que le parcours est quand même très fluide, donc c'est un bon point, il n'y a pas d'à-coup dans son allure, elle ne précipite pas, elle ne charge pas, voilà. Et pour finir du coup, on refait un morceau de parcours, donc on a enchaîné le petit bout de parcours à peu près 110-115 environ. Donc voilà, elle, encore une fois, elle a été très très bien, je suis très contente de ce qu'elle a fait. Petit bilan du coup de ces deux jours de stage. Donc en fait on voit vraiment une grosse évolution pour la deuxième journée, enfin de la première à la deuxième journée, parce que vraiment elle avait rien à voir avec le premier jour, elle a été super. Juste elle m'arrête gratuitement une croix je crois début de séance, on sait pas trop pourquoi et du coup je me suis un petit peu fâchée parce que comme c'était gratuit, puis Florian m'a encouragée à la fâcher gentiment un petit peu. Après elle a été très très bien, elle prenait toutes les bonnes places, vraiment j'arrivais à avoir tout ce que je voulais, donc je suis super contente. Ça a été un super stage, on voit vraiment l'évolution et c'est le but recherché dans ce genre de stage en fait, de trouver vraiment l'évolution du premier au deuxième jour. Donc vraiment bah, je suis ravie encore une fois, donc voilà, je pense que je referai le stage avec elle au mois de mars, donc voilà. Je suis encore une fois super contente, ça fait un moment qu'on n'avait pas sauté, on n'a pas sauté du mois de décembre, la dernière fois qu'on avait sauté c'était au salon en fait, et là donc je pensais que j'allais être un peu pas très bien sur les barres, mais en fait non, elle a été super, donc voilà, on a fini sur un 110-115 à l'enchaînement, donc voilà, pour un cheval qui n'a pas sauté depuis longtemps, je trouve ça plutôt pas mal, donc voilà, à voir ce que ça donne à l'avenir.